Salut et bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer pour un nouveau let's play. Comme d'habitude, on change pas. Alors c'est sur le Paris-Marseille Racing édition Tour du Monde. Alors du coup, on va forcément aller à Paris déjà, c'est sûr, et à Marseille. Donc on va déjà choisir la langue, le français parce que c'est quand même beaucoup plus agréable. Alors je crois qu'on va sans doute aller sans doute à Marseille, ça c'est sûr. Paris, c'est sûr, parce qu'on voit la tour Eiffel déjà. Alors on va voir s'ils ont bien fidélisé Paris. Hop, je fais la petite mise au point pour qu'on voie bien l'écran. Hop. Alors oui, on voit qu'est-ce qu'il nous est. Tu es sûr de continuer sans sauvegarder? Oui. Alors celui-là, je crois que vous l'avez payé au vide-grenier. Même pas, c'est même pas un vide-grenier, c'était au Puy Saint-Ouen. J'ai dû payer 1 ou 2 euros. Peut-être 2 euros, je crois, il me semble. J'en ai pris plusieurs. Je sais plus. Ah, bref. Alors, on va voir les circuits qu'il y a, tiens. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir l'Allemagne. Peut-être l'Italie. L'Angleterre. Les États-Unis. Parce que c'est le tour du monde, donc forcément, il doit y avoir. Oula. C'est moi ou le mec était enroué, là. J'ai envie de tousser, là. Course rapide, championnat. Ouais, on va contre la montre. Mettre, bah oui, numéro 1, ouais. Choisir un circuit. Alors, déjà, on a Paris. Alors, ouais, c'est plutôt bien fait, déjà, rien que la vue, là, déjà, ici, ça, c'est plutôt ressemblant. Déjà, l'arc de triomphe en fait, est à peu près à l'échelle. Ouais, ça ressemble à peu près à ça. La tour Eiffel n'est pas très très loin. Bon, pas si proche que ça, par contre. Mais pas très loin. Donc, qu'est-ce que nous avons? Ouais, on a l'Allemagne, donc on a Berlin. On a Londres, ouais, 2 bons points, bon, 3 bons points. Londres 2. Édimbourg. Munich. Hambourg. On a Lyon. C'est bizarre que Hambourg se trouve à côté de Lyon. On a bien Marseille, ouais. Yellowstone. On a Yosemite. On a bien les États-Unis avec Miami. On a Las Vegas aussi aux États-Unis. Chicago. New York. Washington. Nevada. Ah, il manque Los Angeles, dommage. Ça serait intéressant, moi je serais curieux de voir Nevada, où à mon avis, à tous les coups, il va y avoir un truc avec les extraterrestres. Washington, à mon avis, ben, ça on va avoir la Maison Blanche, ça c'est sûr. New York, ben, on va voir Times Square, ça c'est obligatoire. Bon, ça, les deux tours de World Trade Center, ça on les verra pas. Je crois que le jeu, il date d'après 2001. Chicago, on verra sans doute le Grand Pont, Chicago. Las Vegas, ben, on verra les casinos. Miami, on verra les plages. Yosemite, alors je sais pas du tout, on verra de la forêt sans doute. Yellowstone, je crois que c'est des forêts, il me semble. Je sais pas du tout. Bon, Marseille, on va la crâne bière. Lyon, on verra, je sais pas quoi, on verra des baraques. Édimbourg, Munich. Nom de barret, hein. La maison d'arène, là, je sais qu'on appelle ça, merde. Ah, j'ai oublié le nom. Buckingham Palace. Ah, Berlin, ça c'est l'équivalent des Champs-Élysées, mais version Berlin. Et ça, c'est Paris. Bon, on va commencer par Paris. Alors, on va pas le prendre le matin parce que ça va être une horreur. Ça va être bouché le matin et le soir, c'est pareil. Donc, la nuit. Allez, on va prendre à midi. Choisir une voiture. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme voiture? Il n'y a même pas les noms des voitures? Il n'y a même pas les noms des voitures. On a le Mini Cooper. Ah, pas mal. Ils ont mis les voitures à l'ancienne. Ah, il y a une Peugeot, ça c'est une Peugeot 206. Ah non. C'est coupé sport, ça. Ils viennent pas les noms, c'est con. Ah, c'est bien, ça c'est une DS, non? Une DS? Je sais pas, on reconnaît pas, on a l'impression que c'est une DS. Ah, je suis tenté par la voiture, ça, à l'ancienne. Voilà, orange. Alors, tour, ouais, on va prendre 2 tours. Difficulté, pas prendre la tête. Trafic, ouais. Ouais, allumé. Police, ouais. Voiture fantôme. Voyons voir ce que ça donne. Bon, je fais juste un petit coup de tramon sur certains circuits. On va faire la France, donc on va faire Paris. On va faire Berlin. Et on va faire Londres. Donc la France, l'Allemagne et Londres. Alors, temps au tour minimum, 1 minute 15 et 68 secondes. Alors, on va voir s'ils ont bien retranscrit Paris.
Ok, il y a des drapeaux, mais bon. Ah, mais je crois que je connais ici. C'est trop Paris quand même. C'est ce que je me dis tous les matins en venant au studio. C'est pas l'aide en voiture de longue distance. C'est simple. Ça me met tout de suite de bonne humeur. Le mec, il parle tout ça, quoi, en fait. Il fait super beau. Alors faites comme moi. Baissez les vitres. Montez le volume et détendez-vous. En fait. Ah ouais, c'est une radio. La radio des méga hits. Alors là, on est à... Tiens. On est à... Ah merde, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Ah là là, merde, j'ai oublié le nom. J'habite à côté de Paris, je me rappelle même plus. Hop, oh, ramasse les merdes qu'il y a à ramasser. Alors, on a une petite radio. La radio des mégaïtes et les flics. Ils ne sont pas au service aujourd'hui. D'après mes infos, ils ne peuvent envoyer personne avant demain. Je vous fais bien dire. Hein. Les flics juste ici. Les ERT. Oh la vache, ah ouais quand même. Alors, oh dis donc, je les ai heurtés. La voiture est en train de fumer. Waouh, alors si je heurte plus, qu'est-ce qui se passe? La météo de votre week-end, c'est toujours gris un peu partout en France. De gros, mais c'est pas un peu exagéré là. La voiture limite elle est en feu. Ah là on est à côté de Notre-Dame de Paris. Alors Notre-Dame de Paris mais l'ancien. Hein. Là elle est vachement carrée. Hein. Alors je sais que Ubisoft, alors c'est qui s'occupe de ça? C'est David Axe. Je sais que Ubisoft pour reconstruire c'est-à-dire la toiture de Notre-Dame, ils ont fait appel à Ubisoft, c'est-à-dire Assassin's Creed. Quand ils ont fait recréer tout Paris en 3D, en Assassin's Creed, et du coup ils ont donné les plans. Bah, j'espère que David Lex n'a pas donné leurs plans parce que là franchement, là c'est moche. Hein. Le truc qui est tout carré, bon ça ressemble mais c'est moche. Hein. Et puis, pour finir, ah, il y a les petites poubelles, ah oui, ils ont pensé à tout. Ils sont en concert à Paris cette semaine avec la radio des méga hits. La radio des méga hits. Ils ont déjà gagné leur place et pas n'importe où. On peut pas aller plus loin. Dans les coulisses pour assister au concert. Oh putain, on peut assister au concert. C'est de la folie, c'est la méga hit. Allez, je casse tout. Ouais, les poteaux, ouais, c'est pas réellement ça, mais bon, ça ressemble un peu. Ouais, ça peut passer, ça peut faire illusion. Ah, là, on arrive aux pyramides, on arrive au Louvre. Alors, attendez, le Louvre en allemand, ça voudrait dire que c'est Rivoli, mais ça va pas, ça, c'est pas du tout comme ça. Hein. Ah, c'est pas du tout comme ça. Parce qu'en fait, là, ici, en fait, ici, c'est normalement, c'est une rue qui est ouverte. Et c'est rue Rivoli. Et après, c'est les quais de Seine. Et là, on est sur, ouais, les pyramides. Sauf que les pyramides, normalement, c'est pas ici. Alors, on peut passer. Effectivement, on peut passer, on peut traverser, c'est-à-dire le Louvre. Mais les pyramides sont pas ici. Hein. Sur à 100%. Normalement les pyramides, alors attendez, comment ils ont fait? Comment ils ont fait Paris? Je suis en train de visiter. Normalement ça devrait... Oula, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'a heurté là? Okay, c'est les flics? Ok, bon, enculé ces flics. On rentre dedans. Ouais, donc les pyramides, normalement, elles devraient se situer plus sur la gauche. Hein. Pas en plein milieu de la route. Hein. Vous imaginez-vous les pyramides en plein milieu? Imaginez le mec qui fait Allah Akbar, boum. Le mec il a juste à se balancer sur les pyramides et c'est fini. Hein. Voilà, alors, effectivement il y a les quais de Seine mais par contre c'est mal fait. Hein. Parce que là normalement ouais ça devrait être le Louvre là. Cette partie là ça devrait être Louvre Rivoli. Ça devrait être Louvre, pardon, pas Rivoli. Alors logiquement, là, si je vais tout droit, là, moi, j'arrive à Concorde. On casse tout, allez hop. Ils ont bien retranscrit. Eh, c'est le futur, parce qu'ils ont bien retranscrit Paris, parce que, vous voyez, il y a des travaux, là. J'ai vu, là, Anne Hidalgo était même pas au pouvoir qu'il y avait déjà des travaux. Hein. C'est déjà en travaux. Donc, là, normalement, ça devrait être le Louvre, ici, tout ça. Finalement, il devrait y avoir Concorde par là. La Tour Eiffel, ok. Ouais, non, ça va pas du tout. Ouais, non, ça va pas du tout.
Ça devrait être la Concorde qui est ici. Ah ouais, non, ça va pas du tout. C'est pas du tout la bonne échelle, là. Alors déjà, on peut même pas passer au milieu. Parce qu'il y a la tombe du soldat inconnu avec la flamme. Et là, il y avait... Ah, pyramide, elle est là, maintenant. Ah, ok, d'accord. Attendez, on va visiter. Putain, il casse les couilles à parler, le mec. Ah, c'est une horreur. Ah, c'est une horreur, là. Le mec, il arrête pas de parler. Alors, ouais, effectivement, il y a des gros problèmes, hein, parce que c'est pas du tout à l'échelle. Hein. Je sais pas qui est-ce qui a fait Paris, mais putain, c'est une catastrophe. Ouais, parce que là, normalement, il devrait y avoir l'avenue, ok, là, ça d'accord. Mais là, l'avenue... Alors là, en fait, cette avenue-là, normalement, logiquement, ça devrait être l'avenue de la Grande Armée, ici. Il devrait y avoir déjà l'étoile ici. Normalement, il y a une étoile rouge qui est sur le rond-point. Normalement, il y a une route ici, une route là. Oui, il y a les flics, là. Merde. Il y a une route ici, ok. Ouais, mais c'est plutôt des avenues, normalement. C'est pas des rues. Là, c'est des rues, carrément. Ou des boulevards. Là, il manque une rue, là aussi. Là, il y en a une. Pff, c'est mal fait. Hein. Très mal fait. Là, ça devrait être une avenue aussi, mais bon. Moi, normalement, tout droit, normalement, ça devrait être ici. Tout droit, ça devrait être la Concorde. Et Louvre Rivoli. Enfin, Louvre. C'est quoi, je dis Rivoli. Comme la station de métro. Parce que je travaille ici, moi, en fait. En fait, là, il y a l'Arc de Triomphe. Il y a une avenue qui va jusqu'à la Concorde. Et après, moi, je travaille dans le secteur, là, sur ce côté-là. Mais là, c'est complètement à l'envers. La Concorde, elle se retrouve ici. Alors qu'ici, ça devrait être Porte Maillot ou Neuilly, là où j'habite. Ah, c'est très mal fait. Hein. Oh, c'est n'importe quoi. Oh, c'est n'importe quoi. C'est la scène qui est à côté, non? Ouais, effectivement, il y a une fontaine. Donc là, je devrais arriver à l'avenue de Rivoli. Oh, non, ça va pas du tout. Ah, c'est mal fait. Hein. En fait, là, c'est... Ouais, en fait, Rivoli, ça devrait être là. Ça devrait être ici. Oh, c'est mal fait. Oh, je serais perdu là-dedans, moi. Ouais, bah, c'est pas si près que ça. Hein. Allez, turbo! Ouais! Tantadam! Tantadam! Allez, quitte! Ah, bah d'ailleurs, c'est eux, Davilex, qui avaient fait K2000. Ouais, l'échelle est mal faite. Hein. Franchement, très mal fait l'échelle hein, de la ville. Alors, effectivement, il y a des monuments. Ah, Sacré-Cœur, voilà, ça y est, j'ai trouvé le nom. On est là, le Sacré-Cœur. On voit vaguement de loin la Tour Eiffel. On passe en dessous du Louvre. Et il y a les flics là, tiens. On va s'amuser un peu avec eux. Et voilà. Allez, va ta fiole. Comme dans la vraie vie. Donc ouais, effectivement, on voit Notre-Dame, on voit le Sacré-Cœur, on voit le Louvre, on voit les Champs-Élysées. Bon, c'est même pas les Champs-Élysées. On voit les travaux. On voit l'Arc de Triomphe. On voit la Concorde. Voilà, là, on voit l'Arc de Triomphe. Bon, c'est un petit peu mal fait. Bon, il n'y a pas les gilets jaunes, là, par contre. On a la pharmacie, ouais, effectivement, c'est plutôt bien fait, ouais, la pharmacie. Effectivement, il y a bien des pharmacies. Ah, attendez, on va regarder un petit peu. Entrée, mais entrée de quoi? Le magasin, il s'appelle Entrée. Alors, pharmacie... Oh, la faute. Oh, putain. Alors, autant, ouais, je fais des fautes, je sais, ça, je peux concevoir, mais ça... J'ai jamais vu de pharmacie qui s'appelait pharmacien, hein. Oh waouh! Et en plus, il manque un. Il y a les flics qui passent à côté. Pharmacien. En fait, il fallait juste en tirer le N. Voilà. Alors, attention, on va voir les boutiques. Allez, on va regarder, qu'est-ce que c'est? Brasserie. Oh là, il y a marqué brasserie partout. Ça veut dire que la brasserie, c'est toute la rue, là, toute l'avenue.
Waouh. Ouais, les mecs ils sont pas fait chier. Hein. En plus, là, regardez, là ici, là, là. En fait, les mecs ils ont fait le truc brasserie et puis hop. Ça a coupé sur le mur. Là. Ah non, c'est une. Ah non, c'est une impasse. Oh là, mon dieu, en plus ça ne va même pas y aller. Et hein, je remarque que ça n'a pas d'immatriculation marqué SPA. SPA, c'est la SPA. Waouh, ça veut dire que la barre qui est là, en fait, elle fait toute l'avenue, en fait. Ça lui coûtait cher. Hein. Alors là, on est à la Concorde, et normalement, le Louvre-Rivoli, ça devrait être derrière. Et là, j'ai l'impression d'être à Versailles, presque. Alors c'est bien parce qu'il y a une brasserie juste en face, et il y en a une en face de l'autre, et c'est toutes les mêmes. En fait, ils ne sont pas foulés, c'est les mêmes, ils se sont pas fait chier. Limite, je suis sûr que les bâtiments, c'est les mêmes. Regardez, on va voir. Ouais, c'est les mêmes bâtiments. On voit l'entrée avec la porte verte ici. Et on la voit ici. Ouais, belge. Et puis il y en a un passe aussi ici. Qui ferait un passe comme ça? C'est ridicule. On a une horloge, on ne sait pas ce qu'elle fout là. Il est 15h. Alors, soit il est 15h, parce qu'en fait, j'ai choisi midi. Mais bon. Soit il est 15h45 ou soit il est. Ouais, non, c'est 15h45. Hein. Parce que c'est une grande aiguille qui est là. Hein. C'est une grande aiguille. Alors, le drapeau, oui, à l'époque, il l'avait été, mais surtout pour le 14 juillet. Normalement, ça, c'est des petites baraques, mais bon, c'est pas ça du tout. Effectivement, c'est bien un rond-point, mais c'est pas comme ça. On a encore une brasserie qui est là-bas. Là, c'est marqué quoi? Non, c'est même pas. Ça doit être un McDonald's. Les anciens McDonald's. Encore marqué brasserie par là. Ah, c'est vraiment mal foutu. Quitte à faire Paris, autant bien réaliser, quoi, les mecs. Je sais pas, à l'époque, il y a des plans, je sais pas, il y a des photos sur Internet. J'ai surtout l'impression d'être à Versailles. Le coup de la voiture terminé, il y a un gaz qui sort du pot d'échappement. Waouh, non merci, ça va aller. Bon, bah, à l'échelle de Paris c'est vraiment très mal fait hein. Bon, après Marseille je sais pas du tout, j'y suis jamais allé. Berlin pareil, j'y suis pas allé. Et Londres, j'y suis pas allé à part dans Watch Dogs, qui est celui qui est le mieux réussi en matière de, je pense, hein, qui a été mieux fait à l'échelle. Hein. Choisir un circuit. Ah bah, de toute façon, Marseille, bah non, je suis pas ici. Bah non, Marseille, je suis pas ici. Et que Paris, Berlin et Londres 1. On peut pas voir. Allez, Choisir une voiture. on va à Berlin. On compte une voiture comme ça va pour Berlin. Hein. Facile d'éteindre. Alors on va voir la différence entre la France et l'Allemagne. On va voir quelles sont les différences. Alors je sais que les voitures de police, c'est différent normalement. En tout cas, ce qui était bien fait avec Need for Speed, je pars sur un autre jeu, c'est qu'à chaque fois que vous allez dans un pays, en fait, la police, en fait, elle correspondait au pays. Par exemple, vous allez en France, vous avez les voitures police françaises avec les sirènes qui vont avec. Pareil pour l'Allemagne. Vous avez des voitures allemandes marquées Polizei avec les sirènes allemandes. Et ainsi de suite, quoi. Dans Need for Speed 4. 3, 2, 1, 1, 2, 3. C'est le contraire. Non, 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3, oui. 1, 1, je crois, ça fiche. Alors, ah bah aussi c'est très beau en Allemagne. Hein. Oh la vache. Oh. Une voie accidente! On a l'équivalent des Champs-Élysées, en fait, ça c'est l'équivalent des Champs-Élysées en Allemagne. Alors, va-t-on voir les policiers allemands? Est-ce qu'il y aura marqué Polizei? Ah, c'est là. Ah, tiens, d'ailleurs, je vais mettre la radio et on va voir si ça va être la radio allemande. Oh.
Alors, on est censé être en Allemagne. Ah, voilà, oui, voilà. Ah, ça c'est bien. Ah, bien. Bah merde, les voitures de police disparaissent. Wow. Es war also Simpson, Rammstein. J'ai pas très facile. Ouais, la police allemande. Oh, par contre, c'est pas fichier. Attends, c'est quoi cette voiture? Putain, mais. Wow, hé, hey, oh, calme-toi! Il est en train de me violer là! Ok, d'accord, il disparaît et. Ok, d'accord. D'accord, c'est un peu spécial. En fait, les Allemands, la police allemande, elles ont des New Beetles. En voiture de police. Pour moi, c'est des New Beetles. Hein. Ah, putain, les vues. Oh, ils arrivent à accidenter les autres. Ah, une grosse accident. Ah, j'ai pas un poteau. Autant en France on avait des bracelets partout, autant là il n'y a rien du tout. Hein. C'est l'austérité totale. Allez hop les flics. Putain mais ils font plus d'accidents que moi. Ouais. Wouah, c'est quoi ces flics? Alors, on peut pas passer, péter les poteaux. Hein. Putain, limite les flics ils sont plus dangereux sur la route qu'en France. Hein. Je vais les arrêter parce qu'ils sont dangereux là les flics. Hein. Mettez-vous sur le côté les flics. Ah, une grosse côté. Voilà. Je vais arrêter les flics là. Putain, ils roulent en New Beetle les flics. C'est quoi ça? Allez, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, je vous dis. C'est quoi ces flics? Regardez-moi ça, j'ai rien à faire. J'ai même plus besoin de conduire. Hein. Waouh. J'ai plus besoin de conduire. Hein. Putain, la merde. Oula, le bidon. Oh, les 8 ils sont vachement plus dangereux. Allez, on met le turbo boost. Wouah! Alors? Ouais, j'ai coupé les herbes trop là. Mais pas du Rammstein. Hein. Mon groupe préféré en Allemagne, c'est Rammstein. Hein. Pour moi, je kiffe Rammstein. Achtung, attention, ça veut dire. Et on peut voir, si on peut casser les cabines téléphoniques. Hein. Ouais. Marchons pour nous, allez hop. C'est un peu techno. Hein. Bon, c'est sympa pour se balader, franchement. C'est le truc qui est top dans ce jeu, c'est se balader. Hein. Vous pouvez pas aller en Allemagne, vous pouvez pas aller en Angleterre, vous pouvez pas aller à Paris, bah. Tiens. Et vous voulez défoncer du flic? Eh ben, c'est pas mal. Kugelgagel. On a la pharmacie comme chez nous. Ah, c'est le métro. Ah, je crois que je connais ce métro. C'est le métro d'ailleurs qu'on voit dans la pub de Rammstein. Alors. Turbo boost. Ça se produit plus du tout. Hein. Là, j'ai fait le record, mais l'inverse du record. Quoi. Ah non, pas refaire les courses. Hein.
Donc, la petite dernière, Londres, et après, je m'arrête ici. Bon, franchement, c'est sympathique quand même. Hein. Ça reste assez sympa. Hein. C'est pas ouf ici, mais c'est sympa. Choisir. Choisir une voiture. Non, c'est sérieux, c'est plus choisir une voiture. Hein. Par contre, faut pas y aller à 16h parce qu'à 16h, il boit du thé. Hein. À 16h, il n'y a plus personne dans les rues. Hein. Alors, j'imagine qu'elle est radio anglaise. Je vais dire radio allemande. Bien sûr, on met les drapeaux anglais pour dire qu'on est bien en Angleterre. Hein. Bien où on est con. 2, 1, 0. Ouais, ça c'est vraiment les Anglais, parce que les Anglais, ils ont cet accent. Ah, est-ce qu'on va voir le TARDIS? Oh merde. Ah oui, c'est vrai qu'ils conduisent à l'envers, c'est con. Merde. J'ai oublié. Alors, où est-ce qu'est le TARDIS? Par contre, ils ont fait une erreur, parce qu'ils auraient dû mettre la... La personne sera à droite du coup. Bon, on sort, il n'y a pas le TARDIS. Hein. Là aussi, ils ont des travaux comme chez nous. Hein. Comme en Allemagne, pareil. Et logiquement, on devrait voir les flics. Ah non, j'ai fait du connerie parce que s'il est fait, comme j'ai dit là, s'il est 16h, c'est mort, on les verra pas. Hein. Ah bah ils sont déjà accidentés, les flics. Avant même que je les percute, les voitures sont déjà en feu. On va disparaître. Ah bah là on est à Buckingham Palace. Ça c'est Buckingham. Ouais ça ressemble à Buckingham. Imaginez, il y a la reine qui sort, la percute. Il y avait un jeu Black Monday qui se passait aussi en Angleterre. C'est pas mal. The Getaway pardon. The Getaway 1 et le 2 c'était... Ah non c'est là, bah ouais non c'est là, Buckingham Palace. Oh, je suis en train de courir. Je connais très bien puisque je vais souvent dans Watch Dogs. Ah bah attendez, je comprends pas. Je comprends pas à droite. Ça je comprends pas rien. Allez, le dernier tour. Ah là, il doit être en pause des flics parce que j'en ai pas vu un seul là. Ah ça y est, oh, putain. Ah, maintenant on est en Chine, attendez, on va laisser les voitures de police. C'est quoi ça? Ah c'est... Ah c'était moi. C'était moi dans le passé. Il y a un petit décoté Docteur Who, regardez, il y a moi dans le passé, je viens de me rencontrer. D'ailleurs ça me fait penser cette voiture, ouais. Je me rappelle dans un épisode de Doctor Who, justement, il y a comment ça s'appelle Rose qui devait sauver son qui sauve son père. C'était une voiture couleur orange, un peu de ce style-là. Pour ceux qui ont regardé l'épisode de Doctor Who. Elle devait sauver son père. Non, elle voulait revoir son père. Et en fait, elle a sauvé son père alors qu'elle n'aurait pas dû. Et ça a créé un paradoxe temporel. Il y avait plein de monstres partout. Malheureusement, elle ne pouvait pas sauver son père, qui était mort renversé par une voiture. Et son père d'ailleurs était un gros macho dans la série. Je ne sais plus quelle saison c'est, je crois que c'est la saison 3 ou 4. Pour ceux qui connaissent Doctor Who, ils doivent connaître mieux que moi. La police anglaise. Bon, ils sont bourrés au thé, hein, parce que là, vu comment ils conduisent, laisse tomber. Hein. Bon, bah, malheureusement, ils n'ont pas créé le TARDIS. Hein. Allez, turbo boost.
C'est l'heure du thé, allez hop. C'est rapide. Terminé le circuit de Paris, de l'Allemagne et de l'Angleterre. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je m'arrête ici maintenant parce que pas, de toute façon je peux pas débloquer les autres circuits. Il faudra que je fasse les courses, tout ça. Bon, je vais passer mon temps là-dessus. Hein. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Paris-Marseille Racing Edition Tour du Monde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le petit commentaire, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao !